Ouais, je suis fier de l'équipe parce que si on regarde tout le début du championnat, enfin toute la phase aller, toutes les victoires valent 2 points. Mais celui-là, pour moi, c'était le match le plus important de la phase aller, parce que c'était le match c'était un match de coupe, un match couperé, un match où on sait que si on gagne, on va faire la semaine des As, la Leaders Cup. Et si on perd, ça va être dur. Donc les joueurs, une fois qu'on a vu que Cholet avait gagné à Châlons, on avait notre destin entre les mains. Et les joueurs n'ont pas laissé passer l'occasion. Ils ont mis une intensité défensive extraordinaire parce qu'à la fin du troisième quart-temps, on n'avait encaissé que 29 points. Le dernier quart-temps, bon, les deux équipes scorent, le match était fait, mais l'intensité défensive dont ont fait preuve les Nancéens ce soir, nos favoris, c'est remarquable. C'était vraiment une bonne victoire pour nous. On les a arrêtés en défense, et puis ce qui nous a permis de relancer en attaque et d'être vraiment présents au rebond et puis offensivement, de vraiment partager la balle, les jeux collectifs. Et ça nous a permis d'avoir des tirs ouverts et on les a mis ce soir, ce qui nous a permis d'avoir cette victoire écrasante. Ben, l'objectif c'était de gagner pour se qualifier au Leaders Cup, et ça on l'avait en tête depuis le match d'Antibes. On avait juste besoin d'une victoire et aucun autre résultat. On s'est occupé de ça, on savait qu'ils avaient fait un gros match mercredi contre Châlons, ça n'allait pas être facile, mais on voulait défensivement mettre le tempo du match dès le début et on a réussi à le faire pendant 40 minutes. On a eu beaucoup d'adresse et défensivement on a vraiment été là, on était dur. Maintenant on se concentre sur le championnat, c'est d'avancer dans le tableau, on a un match difficile à Gravelines, le prochain match, et c'est d'aller gagner là-bas. Quel que soit le résultat du match Châlons à Pau, lundi, on est qualifié. Donc c'est un objectif qu'on a atteint. On en a plusieurs dans la saison, puisque l'objectif de tout le monde, c'est les playoffs. Mais faire la Leaders Cup, c'est bien, parce que c'est quelque chose de... Bon, d'abord de sérieux, qui peut donner l'occasion de jouer un titre. Et puis c'est festif, on va parler de Nancy, on va dire que Nancy est revenu. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont importantes, je dirais, pour toute l'organisation du club et pour toute la considération que les gens qui sont autour et qui aident le club, qui le soutiennent, qui le supportent, vont témoigner à l'équipe. Donc c'est un label. Se qualifier pour la Leaders Cup, c'est un label. Et ce soir, les joueurs ont vraiment tout donné. Ils connaissaient l'importance du match. Ils ont tout donné et on n'a laissé aucune chance à Cholet.